Je suis comme ça. C'est ma façon de gérer le problème, et j'en ai marre d'essayer de te l'expliquer. Oui, oui, je vis ma vie, et je compte bien la vivre à ma façon. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dérange? Oui, c'est vraiment pas le moment. Je vous apporte les dossiers que vous avez demandés. Plus tard. J'ai dit plus tard! Je voulais pas vous énerver. C'est pas vous. On dirait que, dans le coin, on veut tous échapper à quelque chose. Moi, c'est mon cas. Vous parlez du désastre au poste de contrôle? Vous avez tué une femme. Allez-y. Vous pouvez me parler. C'est-à-dire, tout le monde a son avis sur la question. Je gère le problème à ma façon. Vraiment? Vous avez assez de soucis. Et je sais pas qui c'était, mais ça avait l'air d'être un sacré connard. Quel que soit le problème, vous le réglerez. Ou faites-moi signe, et je le réglerai pour vous. J'ai eu peur de te perdre. Moi aussi, j'ai eu peur. Cette fois, c'est pas passé loin. On est toujours là. On n'a pas tous cette chance.
Tout ce qui compte, c'est que tu ailles bien. On devrait parler, non? Parler de quoi? De nous. Il faut que je sache ce qu'il y a entre nous. Si je meurs ce soir, je veux partir en sachant où on en était. En revoyant Eric, j'ai retrouvé celui dont j'étais tombée amoureuse à l'époque. T'étais présent quand j'avais le plus besoin de toi. Et je t'en serai toujours reconnaissante. Mais les choses ont changé. Je n'ai besoin de l'aide de personne pour me sortir de là. C'est fini. Alors, trouvez Kolchek. Quelle idée de se taper la reine-mère. J'aurais mieux fait de consulter un psy. C'est étrange. Hier encore, j'étais sûre de vouloir quitter Eric. Mais il a retenu la corde. Jusqu'au bout. C'est forcément un signe. J'avais tellement de choses à lui dire. Mais je n'en ai pas eu le temps. C'est Jason. Il est vivant. Faut y aller. J'ai vu des trucs de dingue dans ma vie, mais ça, c'est d'un autre niveau. J'ai pas l'impression qu'ils nous suivent. Vous voulez qu'on les attende, peut-être? Pas la peine de faire le malin. En route. Remonter avec ça? C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Un cocon? On dirait que ces saletés viennent d'ici. Ça sent le méthanol. Vous m'aviez caché que vous étiez scientifique. Les Américains n'apprennent pas les sciences à l'école. Mieux vaut ne pas s'approcher. Mary Hodgson, sa femme sûrement. Leur histoire s'est mal terminée. Jason. Quoi? Je ne veux pas finir comme ça. Tout est de la faute de Lady Bradshaw. Depuis le début, elle savait ce qu'il y avait ici.
Elle nous a menés jusqu'à eux. Tout à l'heure, je l'ai trouvée en bas, penchée sur le cadavre du pauvre Van Mutten. Quand elle s'est retournée vers moi, j'ai vu qu'elle avait changé. J'ai saisi l'arme la plus proche, un piquet de tente en fer, avec lequel je l'ai poignardé dans le cœur. Tandis qu'elle mourait, des cris affreux ont retenti dans les profondeurs, comme pour répondre à ce flot de sang. Est-ce au moins réel? C'est notre jugement. Allah nous inflige sa punition pour toutes nos erreurs commises. Zayn est tout ce qu'il me reste sur Terre. Quand sa mère nous a quittés, je lui ai tout donné. Je voulais qu'il ait tout ce que je n'avais pas. Parents isolés. Bonjour la galère. C'est vrai. Mais mon fils me remplit de fierté. Il part vivre à Londres pour faire des études. S'il pouvait cesser de voler... Il me manque tellement. Vous avez des regrets, Jason. Le poste de contrôle. De quoi parlez-vous? Nick et moi, on était dans le trafic. Le checkpoint avait déjà été frappé par des kamikazes. On a vu une femme. Elle portait un sac. Merde. Allez-y. Je lui ai dit... Je lui ai ordonné de s'arrêter. Haut et fort. Mais rien à faire. Elle continuait d'avancer. J'ai dû... prendre une décision. Nick... l'a abattu. Qu'avait-il dans le sac? Des courses. Alors pourquoi ne s'est-elle pas arrêtée? Elle m'entendait pas. Elle avait des putains d'écouteurs. Ça, c'est des conneries. Je suis pas là pour me recueillir. Pour être honnête, j'avais pas trop quoi faire de ma vie.
Alors, j'ai choisi de m'engager. Nous avons tous nos raisons. Elles ne sont pas forcément profondes. Profondes, hein? Quand les tours sont tombées, j'étais complètement défoncé. C'est qu'une semaine plus tard que j'ai appris la nouvelle. Vous trouvez ça profond? J'ai même pas ce que je viens foutre ici. Vous servez votre pays. Cette femme, elle avait une famille. Des amis. Elle avait toute sa vie devant elle. Et nous, on est venus lui mettre une balle, putain. C'est quoi ce délire? Je vous entends réfléchir. On attend qu'il se passe quelque chose. On devrait prendre des initiatives et déclencher quelque chose. À quoi vous pensez? On pourrait entrer et chercher un moyen de leur faire mal. Ces saloperies ont voulu nous flinguer le cerveau. Elles ont voulu nous tuer. Mais vous et moi, on est encore là. Faut y croire, Salim. On va sortir d'ici. Revoir la lumière du jour. C'est vraiment ce que vous pensez? Hurrah! Qu'est-ce que c'est, ce gris-là? Un truc de Marines. Oh. Donc, je suis un Marine, moi aussi? On va éviter de s'emballer, ok? Ok. Hé, quoi qu'il arrive, comptez sur moi. Nous nous battrons ensemble. C'est le seul moyen. C'est quoi, ça? De là qu'elles viennent, ces choses. On dirait. La question est... où ont-elles bien pu passer? Salim, par ici. Qu'est-ce que vous en dites? Cette cité doit exister depuis des milliers d'années. Dieu n'a pas créé ces monstres. Non. Il se pourrait qu'on ait pris le problème à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez dire? Peut-être que nous sommes les intrus. Thank you.
Salim, regardez ça. On dirait de la musique. Là d'où je viens, on n'appellerait pas ça de la musique. Oui, bon, pas de la musique. Peut-être un langage. Vous avez vu ces enfoirés? Ils sont pas vraiment du genre à discuter. Il ne faut pas les sous-estimer. Regardez cet endroit. Ces choses sont intelligentes. Cette mousse, elle est partout. C'est moi ou... Ce truc est vivant. Salim, regardez ça. C'est une de ces créatures, mais plus vieille, antique. Vous croyez quand même pas qu'elle est vivante? Touchez-la. Faites-le, vous. Chochotte. Charles. Cette créature est fossilisée. Elle doit bien avoir des millions d'années. J'hallucine. Regardez. Vous avez vu l'armure? Ce type date de Mathusalem. Vous avez vu? Je crois qu'il est vivant. Oh, c'est impossible. Ici, plus rien. Plus rien n'est impossible. Merde! Il a survécu tout ce temps-là, avec une moitié de tête? Le fluide. Il a dû préserver sa chair, son cerveau. Qu'est-ce qu'on fait? Nous ne pouvons pas le laisser comme ça. Pourquoi pas? Depuis le temps, il a dû s'habituer. Je suis sérieux. Non! Le bruit va attirer les vampires. Je vais le faire.
Salim. Celui-là était pas copain avec le dentiste. Pas de dents pointues. Vous avez vu? L'os est cassé à cet endroit-là, comme s'il avait été percuté de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ces choses n'étaient pas des vampires. Elles ont pu être infectées. Putain, Nicky! On peut dire que tu débarques au bon moment. Je croyais que t'étais mort. C'était pas mon heure. Ça a pas l'air d'aller. Bah, j'ai sniffé un vampire mort. Ça m'a défoncé. Content de vous revoir, madame. Prenez ma main. Content de te voir, vieux. Cet endroit... Respirez. Ça va passer. –
Il nous faut un plan. On bousille ces trucs et on fout le camp. Très bon plan. Sergent Kay, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste... 8 chargeurs de 556 FMG, 3 balles explosives 40 mm, des pistolets 9 mm, 4 chargeurs en tout. On se débrouillera. Plus 2 grenades au phosphore. Et un pain de composition C4. Pas grand-chose, en somme. Et on a ça, aussi. Trop vieux. On ne peut pas s'y fier. On fait avec ce qu'on a. Les mèches sont mortes, mais on peut les faire sauter avec le C4. En espérant qu'ils sont encore bons. Les vampires, ils proviennent de ces cocons. Vous avez vu leur nombre dans cette salle. Là, il peut y en avoir des milliers. Faut tout faire sauter. On fait griller autant de ces enfoirés qu'on peut et on regagne la surface. Vous en dites quoi, sergent ? Ouah ! Je le laisse pas se balader avec une arme. On n'en est plus là maintenant, madame. On est tous dans la même équipe. Si t'as toujours la trousse de soins, c'est peut-être le moment de la sortir. Ah. Ah. Je douille, putain. Je dois refermer la plaie. On dirait que nos potes explorateurs sont venus ici. On devrait regarder ce qu'on peut trouver avant de partir. Des infos croustillantes ? Il appartenait à Mary Oxon. De toutes les choses qu'elle peut raconter, il y en a une qui revient plus souvent que les autres. Laquelle ? Elle voulait rentrer chez elle. Et elle n'est pas la seule. Pas vrai ? Est-ce que tu crois qu'ils vont fonctionner ? Sans accroc. Ça va ? Comment tu te sens ? Pas top, pour être franc. J'aurais dû te dire ça plus tôt, mais... Mes condoléances pour Eric. Merci. Ça me touche. Rachel, je... Tes mains... C'est rien. J'ai un peu froid. Par ici. J'ai trouvé quelque chose. De ce temple baigne dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse. Une malédiction qui prend une forme purement indescriptible. Depuis des siècles, nous avons vécu dans l'ignorance, inconscients des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. Et nous avons ouvert sans le savoir le portes vers la folie. Je crains de trépasser, mais je dois faire mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à tout jamais. Pour l'humanité. Marie. Pardon. Oh!
Aucun d'entre eux ne s'en est sorti. Eh ben, Jason, qui a la plus sale mine ? Vous ou moi ? Ah. Moi, ça va. Mais vous, vous avez pas l'air bien. J'ai attrapé froid. Rachel ? Oui ? Navré pour Eric. C'était quelqu'un de bien. Je sais. Voulait au juste. C'était vraiment à cause de ces tablettes ? Basé sur les accords, les gammes musicales, les notes. Marie était pianiste. Elle l'a déchiffré. Elle pensait que ces gravures représentaient les étoiles. Vous voyez ? C'est Cétus, la baleine. On ne peut pas voir le ciel d'ici. C'est un mystère. Si on en croit le journal, le dispositif ne produisait qu'une seule gamme de notes. Mais Marie était la seule à l'étudier. Je pense qu'il y en a une autre. Je vais avoir besoin de votre aide. Dites-moi. Cette console est trop volumineuse pour un seul opérateur. Ces créatures étaient jadis pacifiques. Leur langage était une sorte de musique. Elles étaient sensibles, forcément. Puis une catastrophe est survenue. Leur grand empire a sombré. Leur musique s'est arrêtée et elles se sont entretuées. Quelle fut la cause ? Une maladie ? La folie ? Qu'est-ce qui a transformé ces architectes en tueurs ? Un phénomène les a corrompus. Ce ne sont plus que des êtres de haine, des animaux, des choses mortes. Plus personne à massacrer. Ils ont donc dormi. Très, très longtemps. En nous attendant. Merde ! Rachel ! Rachel ! Rachel, regarde-moi !
C'est cette chose. Elle est en elle. Désolée. Vous voyez ce que je vois ? Ce sont des empilements de cocons. Il y en a des milliers. Si on pose les charges là-bas, ils brûleront tous. Merde, ils s'éclosent. Il faut agir. Vite! Ok, écoutez. On a essuyé beaucoup de pertes. C'était des frères. Rachel est morte. Le colonel aussi. Maintenant, il est temps de prendre notre revanche. On pose des charges sur un maximum de ces amas et ensuite on les fait sauter à distance. La seconde où les charges explosent, on fonce vers la sortie. Si la chance est de notre côté, en plus de griller quelques vampires, on créera une diversion. Salim, vous êtes prêt ? Bien sûr. Dans ce cas, que la fête commence. Ok. Qui va aller poser les explosifs ? Très bien, je vais le faire. T'es malade. On fait ça ensemble. Non, plus on est nombreux, plus on risque de se faire prendre. Prenez le détonateur. Et si je m'en sors pas... Nick, laisse-moi finir. Si je m'en sors pas, vous me faites sauter ces charges. Évitez quand même de m'exploser par erreur. Jusqu'à ce que tu reviennes, on reste en contact radio. Et si le signal ne passe pas ? Je tirerai une fusée. Dès que vous la voyez, enclenchez le détonateur. Fais vite. Et sois prudent. Ok, mon pote. Il va falloir que t'accélères. Première dynamite posée. Terminé. Vers où ? Gauche ou droite ? À droite.
bas, mon frère. T'as qu'à balancer les dernières charges et tu rappliques. Vise un peu ça. C'est le jackpot. C'est trop loin. Ok. Je fais demi-tour. Appuie sur le bouton! C'est Salim. Chance qu'on ait eu ces charges. Bordel, on dirait que tout est en train de s'effondrer. C'est Salim. Il est vivant. Salim, répondez. Vous êtes là? Je suis encerclé. Ça ne se présente pas bien. Sérieusement, si on retourne là-bas, on meurt avec lui. Je m'en sortirai pas tout seul, Jason. Me lâche pas. C'est pas l'un des nôtres. J'y vais. Salim est des nôtres maintenant. Les Marines n'abandonnent pas les leurs. Vous me recevez, Salim ? Si je ne m'en sors pas. À mon fils, que j'aurais fait ce que je pouvais. Vous lui direz vous-même. Je viens vous chercher. À la fête. Vous avez lancé ce truc dans ma direction ? Eh oui. Ils sont camp d'ici. Thank you.
Où est passé Jason? Il a donné sa vie pour me sauver. Cette chose l'a tué, la chose humaine. Vous mentez. Jason. Inutile. Il est mort. Approchez pas, ok? Jason! Une sortie. Hellman 3, Coyote 2, vous me recevez? Terminé. Et Cyrino 1-5, message reçu. On est à 5 minutes de vous. Qu'est-ce que vous foutiez? Terminé. J'espère que je rêve pas. On est vraiment sortis de cet enfer? Regardez, autour de vous. C'est si calme. Bonjour, Soleil. Ça fait plaisir de te revoir. Je dois rentrer chez moi voir mon fils. Il doit s'inquiéter pour moi.
Tous aux maisons! Barricadez tout! Combien de temps avons-nous? Je sais pas, c'est pas le genre de truc que je suis bien pour. Voilà! Envoyez ces enfoirés en enfer! Avoir connu. Thank you.
Amenez-nous vite loin d'ici. Par ceci, nous nous maintenons ou nous tombons. Pas mal. Certains de vos protégés ont rejoint la lumière, tandis que d'autres ont sombré dans les ténèbres. La survie se paie souvent le prix fort, un prix qui incombe parfois à autrui. J'ai déjà hâte que nous nous retrouvions. Peut-être choisirai-je une histoire un peu plus accueillante, dirons-nous. Quelque part où vous pourriez à coup sûr passer une bonne nuit. Croyez-moi, où que nous allions, vous aurez bien du mal à en repartir. Je vous dis au revoir. Vous connaissez le chemin. T'es en retard, et t'as une sale gueule. Je me suis tapé un vol de nuit, toi c'est quoi ton excuse? Bon vol? Oh, film pourri, bouffe dégueu, mal assis. Ils t'ont mis à l'arrière? Près des toilettes. Classe. Mais le café était pas mal, avec des bons muffins. T'as lu le brief? Pendant le vol. L'équipe d'analyse s'en sort bien? Le groupe d'enquête a subi de lourdes pertes, mais c'est pas le désastre total. On en a juste ramassé quelques-uns au râteau. Ah, les pauvres. Et les entités? On n'avait jamais rien vu de pareil. Kolchek Jason, premier lieutenant, force de reconnaissance. La crème de la crème, hein? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mort au combat. Cause de la mort? Je suis pas médecin, mais je miserais sur cette grosse plaie à la poitrine. Ils ont extrait une lance de son torse. Une lance? Sumérienne, a priori. Eh ben, on voit pas ça tous les jours. Alors, ils ont collaboré avec un soldat irakien, là-bas. Un garde républicain, si tu veux tout savoir. Il a dû lui faire une sacrée impression pour que Kolchek retourne le chercher. J'ai hâte de rencontrer ce type. Je ne répondrai plus à vos questions avant d'avoir vu mon fils! Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Jason est venu me sauver. Qu'en déduisez-vous? En bas, votre sale petite guerre n'existait plus! J'aimerais que nous reparlions des entités. Les vampires. J'ai beaucoup de mal à croire que vous ayez tué ces créatures avec ceci. Détachez-moi.
Et je vous montrerai comment j'ai fait. L'équipe d'analyse extrait encore des spécimens du site. C'est un carnage en bas. Ils avaient de la dynamite ? On ignore où ils se la sont procurés. Non, c'est bon. Je vous l'ai déjà dit, c'était une cité, toute une putain de ville pleine de ces choses. Il y avait des cocons là-bas, des cocons par milliers. Combien d'organismes étaient encore en vie sous terre ? Beaucoup trop. Et j'espère pour notre bien qu'ils ont tous cramé. C'est l'affaire Winterfold qui recommence. Ah, voici le colonel Eric King, notre petit génie. Il a clairement trouvé plus que ce qu'il espérait. Ils étaient mariés, non ? Au sens le plus large du terme. Chute mortelle. Ouais, j'ai lu le rapport. Je me demande si on connaît toute l'histoire. Il a emporté le reste avec lui. C'est de la faute de Kellus. Il a pris le temple pour un arsenal de Saddam. Ce système de merde. Je dirais pas ça. C'est une belle découverte pour nous. On a eu du bol. Parce que t'appelles ça avoir du bol. Mon Dieu. Il reste à peine de quoi identifier le corps. Tu l'as lu, son profil ? Ouais. Elle serait allée loin. S'il n'y avait pas eu tout ça. C'est toujours bon pour dimanche ? Un peu que ça va être bon. Jeannette fait un ragoût. Je crois que je me ferai jamais assez. T'aurais envie de t'habituer ? Au moins, cette fois-ci, c'est local. Maigre consolation. Alors, tu penses quoi de tout ça ? Peu importe ce que j'en pense. La seule chose qui compte, c'est de contrôler le flux des informations. Pour le reste du monde, il ne s'est rien passé ici. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes.
To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world.